raté là en plus. Vas-y, suis-moi, Wolterhab. Essaye de m'attraper, fils de pute. Essaye. Vas-y. Ben vas-y. Où tu vas? Hein, t'es concentré là, tu parles plus, hein? Hein? Hein, tu parles plus, hein? Espèce de gros bâtard, va. Trop fort pour toi, regardez, espèce de clochard, va. Clippez-moi ça aussi, parce que lui, va falloir que je lui foute les nerfs. Ah, tu me soulèves. Soulève. D'accord. L'Hermano, venez. Allez, casse-toi, dégage de là. T'as pas de voiture, y'a air pour les rats. Et saute. T'as une araignée sur l'épaule. Jamais, seigneur, ça va pas se terminer là. Eh ben, reviens, y'a air pour les rats. Reprends tes pesos. Garde le quad, tu l'as acheté. Acheté, y'a pas de remboursement. Putain! Y'a pas de remboursement. Moi, je veux la bagarre, cousin. Ah ouais? Ouais. Exactement. Ah, je pense qu'elle a kiffé, je lui ai juste mordi le bout du téton, mon boug. Putain, après y'a ton petit frère, le gros has là. Il jouait au foot, j'ai pris la balle, je lui ai tiré dans la nuque, il a rien quand il m'a dit ça m'endurcit, c'est bien. Alors qu'il a failli mourir, ce gros chien. Allez, soulève-toi, espèce de chien. Gros has, il s'appelle comment ton petit frère? Ah, j'ai pas de petit frère, bon. J'ai pas de petit frère, j'ai pas de petite sœur. Moi, je connais un petit fils de pute, il s'appelle Yacine. Yacine. Ah, y en a un cousin, il s'appelle Wally, donc là je vais le déglinguer. Dès qu'il n'y a plus de confinement, je vais l'attraper. Moi j'en connais un, il s'appelle Yacine, le sang. Il m'a coupé toute sa barbe, on dirait il est en 5ème avec un, il s'appelle Loli Pookie Cake. Voilà, ils sont au CM2. Oh, ça va ou quoi le sang? Enculé, attends, apporte-le, mets-le sur le côté, frère. Ouais, je me dis bien, allez hop, 1, 2, 3, viens. Un ancien, oh, 10-19. Mais pas un ancien du coup. Attends, je rêve. Oh, le capitaine il a du 10-19. Est-ce que je rêve là? Est-ce que c'est Frédéric qui est flic là? Non, est-ce qu'il pourrait être? Non, c'est pas Frédéric. Ah, c'est Larson Peter. J'arrive. Allez, hop. Ok. Oh, ça de dispatch, allez. Allez, hop. J'ai cru que c'était Frédéric. Allez, hop. Hop. Pourquoi vous êtes qui vous? Vous connaissez Frédéric vous? Pourquoi tu le connais? Hop. Tout à l'heure il y a un petit qui s'appelle Frédéric, il m'a accompagné. Bah t'es son sosie parfait quoi Frédéric. Oh bon? Ouais c'est vrai qu'il me ressemble un peu, c'est vrai. Ouais tu lui ressembles un peu et t'as la même voix. Ouais mais moi j'ai des problèmes de santé. Comment ça t'as des problèmes de santé? Je m'appelle Arsène Peter, j'ai des problèmes de santé. J'étais pas né sous l'axe. Quoi? Ouais, bonjour capitaine. Je te passe officier. Quoi? Et moi. Quoi? Ouais, tu passes officier. En quel honneur? En l'honneur que j'ai décidé de te passer officier. Vous êtes sérieux? Ouais. Vraiment, ça tout ça? Non, je déconne. Vraiment? Et moi? Oh. Quoi? Il est gentil, ce capitaine, il t'a mis officier, moi aussi. Hein. Moi aussi, il a dit. Viens. Mais je suis pas officier, il a menti. Il a menti. T'as pas entendu, lui, il vient de dire je rigole. Pas nous mettre. Attends, viens. Quoi? Je veux le jeter. Je veux jeter une grenade. Tu sais pas où je peux trouver une poubelle pour, tu sais, genre ça et tout là? Parce que là... Attends. Tu vois? Ah, je crois que... Ah, hein? Attends, je crois qu'ils sont en train de partir. Oh putain! Attends, viens. Ouais. Fais... Vas-y, attends, je vais te confisquer tout, attends. Attends, il m'a dit qu'il me l'a pas enlevé, donc il faut juste que je relance. Des fois ça me faisait comme avant. Attends, je reviens. Ça me fait comme avant avec le F1 là, vous vous rappelez à chaque fois que je devais relancer? Loli il parlait comme ça, il a fait... Ouais. alors... Tu vois comment je tire parce que je sais pas comment faire. Dans mon pays c'est pas pareil, c'est différent, le modèle il est meilleur. La gâchette c'est la même, c'est une gâchette mon frère. Non, dans mon pays, c'est pas pareil, c'est ça. Appuie sur la gâchette, Voilà. Oh, d'accord. Okay, attention. Merci. C'est bon? D'accord. Tu l'as? Ok, c'est bon. Ouais. Oh, tu sais ce que tu fais? Tu fais ça et tu vises 97, ça va le faire rire.
T'es chaud? Je tire le, oh. Le gilet va arrêter. Ouais, tu vas tirer dans le gilet. Vas-y. Ok, vise. Il est où? C'est celui qui a habillé en bleu, avec les cheveux gris. Tu fais quoi? Il mais fait tu... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ce malade? Mais c'est pas possible! Recule, dépêche-toi! Pourquoi y'a tout mon cas crash? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, vous m'entendez? Y'a tout le monde qui crash! Je suis survivant! J'ai survécu! Ils ont quoi? Ils ont crash? Bon, parle plus fort, petite tankule de Frédéric. On va régler ça après. Pour les cadets, vous vous placez devant. Il est où 4-3-17? Il est mort. Non, mais attendez, qui se lève? Comment ça, il est... Non, pas 97, pourquoi lui? Il est peut-être à l'hôpital. Il a pas été à l'hôpital. J'ai croisé un agent de police à l'aéroport. J'ai acheté ses habits pour 200 000 $ et je suis venu ici. Capitaine, vous savez ce qu'il m'a dit Frédéric avant de mourir? Ouais. Il m'a dit s'il m'arrive quelque chose, prends la place de sergent. Ferme-la toi. Frédéric. Et lui là-bas, ouais. C'est lui. Enfin, c'est lui là-bas derrière avec la casquette qui m'a montré comment tirer. Lui là-bas avec le taser. Là derrière. Oui, derrière. Hein, voilà lui. Swift. C'est lui là-bas. Non, plus derrière. Plus derrière, je crois. C'est lui. Il m'a dit tu tires comme ça avec le pistolet. Il m'a dit va vers 97 et tire. C'est qui? Il a retiré sa casquette là. En plus il enlève sa casquette, il a peur. Mais j'ai un blâme en tant que cadet, pas en tant qu'officier. Non mais non, même si tu passerais officier, ton blâme tu le garderais. Non, cadet Soulax a un blâme, officier Soulax il a pas de blâme. Je vais te demander. Attendez, permettez-moi une seconde hein. Dis-moi. Non, j'aurais pu le payer. Hop. Et hop, hop. Hop. Qu'est-ce qu'on sait qu'on l'a payé? Quoi? Est-ce que t'es chaude, s'il te plaît, avec tout le respect que j'ai pour toi, de genre fermer un peu plus ta gueule? Parce que. Ta gueule, je fais quoi là? Ouais, oh, pardon. Ça c'était moi par contre. Agression sur agent. Tu peux, hop, s'il te plaît? Arrêtez là, mettez-la en cellule s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Oh, je croyais que vous étiez sérieuse. Quoi? Non. Ah non, mais on la cherche ou pas, il faut garder son sang-froid. Pardon. Allez, capitaine! Bah super, oh, ça me fait déjà un avis. Capitaine! Mais il faut le calmer, vous m'avez dit l'autre fois. C'est moi qui t'a frappé là, c'est pas lui, hein. Là, ta gueule, ok, on en était où? Ah oui, vous me dites, vous êtes en train de me dire, je vais peut-être te passer sergent. Ouais, je vous du coup. Non. Putain. Capitaine, ça va? Ça va, Soulax? Allez, Taros. J'arrive. Ça fait deux fois, mais c'est qui? Je suis désolé, en fait, vu que t'as pas la télé réglementaire, j'ai cru que t'étais un intrus dans le commissariat. Ah, ok. Faudrait que t'ailles te changer. Fais gaffe, parce que maintenant on est en noir, on est plus en bleu marine. Allô? Raté. Il m'a raté. Donnant. Je l'avais mérité, capitaine. Baissez vos armes, nous allons discuter, nous allons baisser les nôtres. D'accord. Et nous allons tous discuter comme des hommes. Ok, mais tu peux me lâcher baissez ou pas? Baissez les armes. Je peux vous lâcher si vous... Je m'appelle... Restez calme. Ok. Restez calme. Ah. Revenez. Ok. Bon, écoutez, on va faire clair. Est-ce que je peux vous la rendre et on s'en aille tranquillement? Pourquoi vous nous suivez comme des... Non, c'est de ma faute, messieurs. En fait. Il s'est arrêté au milieu de la route. C'est de sa faute. Et ouais, c'est de sa faute. Non, c'est ta faute. C'est de votre non, faute, non, c'est ta faute à toi. Écoutez-moi, vous êtes arrêté au milieu de la route. Je vous ai doublé tranquillement. Non. Et là, vous êtes mis à me courser. Ouais, parce que vous êtes cagoulé et descriptif à ce que vous avez demandé en radio. Eh ben, vous avez visé juste. Et ouais, apparemment, on a mis le doigt là où il fallait. Ouais, mais pas comme il faut. Mais du coup, votre doigt, je vais vous le casser et vous allez repartir. Alors, vous allez pas me casser mon doigt. Déjà, premièrement. Ils partent en courant. Ils sont armés. Dernier 10-20. Ok, on arrive. Moi, j'ai plus rien là. T'es où? On est dans les montagnes des maisons.
Il est mort. Bouge pas, bouge pas. Le téléphone, dépêche-toi. Juste à côté de toi, on est juste. Dépêche-toi le téléphone. Non, non, regarde en haut, regarde en haut, regarde en haut. J'ai un bisou, je suis quoi. J'ai un bisou. Pause, 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 pause l'arme. Les mains en l'air. Les mains, les mains. Les mains. On est en route, on est en route. Les mains, les mains. Ah ouais. Et je compte bien faire du sale. Aujourd'hui j'ai grimpé, je compte pas redescendre. Aujourd'hui j'ai grimpé, je compte pas redescendre. Et je compte bien faire du sale. Ouais poto, moi je vois le mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. T'as sans autotune après, c'est pas la même, attention. Sans autotune, attention hein. Ah mec, il va buter, il y a marqué ouais. Il y a de l'autotune, c'est pas ouf. Tout ce... ouais, dans... Jules, par exemple, avec dans l'hiver arrive c'est... Ouais. Dans l'hiver arrive, t'as critiqué sur ton autotune. Et j'ai voulu me servir à boire. Est-ce que les chats ils se bagarrent? Oh. Bigo, j'achetais un grand chez moi, je lui prenais de la beuh. Il me la vendait à un prix, je le vendais un peu plus cher que ce qu'il me vendait. Je me faisais des sous, ouais. Voilà. Bien évidemment, ne le faites pas. Bien évidemment. Et en vrai, pour vraiment pas être hypocrite, si vous le faites, je vous incite pas à le faire, hein. Mais si vous le faites, ne le faites pas longtemps. En fait, il faut juste pas avoir d'ambition là-dedans. Pour parler bien français avec vous, faut juste pas avoir d'ambition là-dedans. Ça veut dire en fait, c'est le dernier recours. C'est comme pour une meuf être une pute, tu vois. En gros, t'as un objectif, tu te dis ouais, là, j'ai besoin de ça. Eh ben, tu le fais. Mais c'est un truc secondaire, c'est comme le stream. Parce que t'aimes streamer. Mais faut pas que tu te dises ouais, je vais faire carrière dans le stream. Comme la beuf, faut pas que tu te dises je vais faire carrière dans la vente, frère. Tu te dis ouais, ok, ça c'est bien. Je fais ça secondaire, ça arrondit mes fins de mois, je me fais un petit truc. Mais il y a des gens, ils commencent à se dire ouais, ils ont pas d'ambition, frère. Je connais des machins. Ils sont encore en train d'en vendre, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que, genre, ils ont. En fait, quand ils le faisaient, ils faisaient rien à côté. Moi, frère, j'en ai vendu pendant 2 ans. Un peu plus. Un peu plus. Mais en gros, la question, elle est pas là. Moi, je faisais ça pour manger. Je faisais ça pour manger. Parce que ma daronne, elle avait pas de quoi me payer la cantine. Parce que j'avais pas. Genre, au bout d'un moment, je mangeais la vie de la mer. J'avais, genre, 2 euros. J'arrivais à trouver 2 euros, tu vois, pour manger des sandwichs au thon ou une canette de freeway. Lucas. Je me balade dehors, pas les couilles de tes remords. Au coup de sifflet, le regret frappe à ta porte.